السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رمضان کا آخری عشرہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اس عشرے میں دو چیزوں کی طرف مسلمان زیادہ توجہ رکھتے ہیں. Les 10 derniers jours du Ramadan sont en train de s'écouler à une grande vitesse. Au cours de ces 10 derniers jours, les musulmans sont très vigilants concernant deux choses, où ils accordent beaucoup d'importance à ces deux choses. La première chose, c'est la Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Et la deuxième chose, c'est la Jumatul Wida, le dernier vendredi du Ramadan. La Laylatul Qadr a une importance réelle, une importance qui a été évoquée par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les recueils d'Hadith, on trouve mention de plusieurs récits à ce propos. De même, dans le Saint-Coran, on trouve mention de la Laylatul Qadr. Mais la Jumatul Wida, ce vendredi d'adieu, est un concept erroné que les musulmans ou que les ulémas ont inventé de leur propre chef. Aujourd'hui, je vais parler à propos de ces deux sujets. C'est-à-dire, je vais mentionner brièvement l'importance et la réalité de ces deux sujets. Pour le sermon d'aujourd'hui, j'ai puisé dans une certaine mesure dans les sermons prononcés par Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Différents rapporteurs du hadith ont rapporté différentes dates concernant la Laylatul Qadr. Certains ont dit que la date de la Laylatul Qadr, c'est le 21 Ramadan. D'autres ont présenté des dates entre le 23 jusqu'au 29 du Ramadan. Certains ont présenté la date définitive du 27 ou du 29 Ramadan. Mais en général, tous ces récits disent que la Laylatul Qadr se trouve dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. On nous dit de chercher ces Laylatul Qadr durant les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. En tout cas, la nuit de la destinée, ou la Laylatul Qadr, est une nuit qui a une certaine réalité. Et c'est aussi une vérité que le saint prophète Mohammed B. lui a été informé quant à la date exacte de cette nuit. Une nuit pendant laquelle le véritable croyant verra en particulier ses prières exaucées. C'est une nuit pendant laquelle, en général, les prières sont exaucées.
یہ معین تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئی. Mais les récits nous informent que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a oublié la date exacte de la Laylatul Qadr en raison d'une dispute entre deux musulmans. Le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sache l'heure exacte de ce moment est quelque chose d'extraordinaire. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam désirait tout naturellement informer les croyants quant à la date de la Laylatul Qadr, une date à propos de laquelle Dieu lui avait déjà informé. Dans les hadiths, il est dit que lorsque Dieu a informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il est sorti de sa maison tout joyeux, afin qu'il en informe les croyants et afin qu'ils puissent aussi en profiter. Mais lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est sorti de sa maison, il a vu qu'il y avait deux musulmans qui se disputaient. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a essayé de mettre fin à leur dispute. Et en s'étant occupé à mettre fin à leur dispute, il a oublié la date de la Laylatul Qadr. On dirait que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait pris beaucoup de temps pour mettre fin à cette dispute entre ces deux personnes. On dirait qu'il avait pris beaucoup de temps pour essayer de les réconcilier. En tout cas, lorsqu'il voulait de nouveau informer les autres à propos de la date de la Laylatul Qadr, eh bien, il avait déjà oublié la date exacte de la Laylatul Qadr. Au contraire, dans les hadiths, il est dit qu'on a fait oublier au saint prophète Mohammed paix soit sur lui cette date. Hadrat Muslim Aoud déclare que les paroles des hadiths nous font comprendre que le saint prophète n'a pas oublié cette date, mais c'était le décret de Dieu qui avait voulu que le saint prophète oublie cette date. Ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré qu'en raison de cette dispute, en raison de cette dissension, on m'a fait oublier la date exacte de la Laylatul Qadr. Sachez maintenant que la date de la Laylatul Qadr n'est pas fixée, mais vous devez la chercher durant les nuits impaires des 10 derniers jours du mois du Ramadan. Hadrat Muslim Maoud a mentionné ici un point très important. Il a dit que ce moment spécial, ce moment que l'on qualifie de la Laylatul Qadr, a un lien très profond avec l'unité d'un peuple, l'unité de la nation. Ainsi, c'est un point très important qu'il nous a présenté ici. Quand nous entendons ce hadith, nous nous disons que si ces deux musulmans ne s'étaient pas disputés, eh bien, nous aurions su la date exacte de la Laylatul Qadr. Mais peu d'entre nous comprennent que ce moment qu'on appelle la Laylatul Qadr a un lien avec l'unité au sein de la nation. Et la nation au sein de laquelle il n'y a pas d'unité est privée de la Laylatul Qadr. Nous devons annoncer aujourd'hui, malheureusement, qu'il n'y a pas d'unité au sein de nombre de pays musulmans. Les populations sont en train de s'entretuer. Les populations sont en train de se soulever contre les États. Et ces États sont en train de commettre des atrocités contre ces populations. Ainsi, non seulement que l'unité est inexistante, mais on est en train de commettre des atrocités dans ces pays. Et ces atrocités sont en train de prendre de l'ampleur. Ainsi, en raison de l'absence de cette unité, les non-musulmans ont le courage de traiter les musulmans comme bon il leur semble. Et c'est pour cette raison qu'Israël est en train de tuer aujourd'hui des innocents palestiniens avec une cruauté impitoyable.
Si l'unité existait parmi les musulmans, et si ces musulmans marchaient sur les voies tracées par Dieu, eh bien, tous ces pays musulmans auraient formé une force si puissante que l'on n'aurait pas commis pareille atrocité à l'encontre des musulmans. La guerre aussi a ses principes. Comparé à Israël, les Palestiniens n'ont aucune force. Si l'on dit que Hamas aussi est en train de commettre ces atrocités, eh bien les pays musulmans devraient les retenir. Mais il n'y a aucune comparaison entre les atrocités commises par ces deux groupes. C'est comme si une personne est en train de commettre ses exactions avec un bateau et qu'un autre est en train de le faire avec son armée tout entière, avec ses obus et ses bombes. Les pays musulmans, à l'instar de la Turquie, pensent qu'il suffit de célébrer un jour de deuil, et c'est ainsi qu'ils se sont acquittés de leurs devoirs. Et les puissances occidentales non plus ne sont pas en train de jouer leur rôle. Ils auraient dû, avec vigueur, retenir ces deux groupes. En tout cas, quant à nous, nous ne pouvons que prier pour qu'Allah protège les innocents de ces atrocités et que l'on puisse établir la paix. De même, au sein des différents pays musulmans, on est en train de commettre des atrocités les uns contre les autres. Ces troubles sont en train de prendre de l'ampleur. Qu'Allah guide ces musulmans et que les musulmans cessent de s'entretuer, qu'ils cessent d'avoir sur leurs mains le sang de ceux qui récitent la kalima, et qu'il y ait de nouveau l'unité parmi les musulmans. Sans cela, ils ne pourront s'acquitter de leurs devoirs envers l'ibadah, et sans cela, ils ne pourront connaître la Laylatul Qadr. Parce que lorsque il n'y a plus d'unité parmi le peuple, parmi la nation, lorsque l'unité disparaît, eh bien cette nation est privée de la Laylatul Qadr. Et ce peuple est destiné à connaître que les nuits et les ténèbres. Il n'y a plus de progrès au sein de ce peuple. La Laylatul Qadr signifie aussi la nuit pendant laquelle on fixe le destin de l'homme. Au cours de cette nuit, on prend la décision à savoir comment sera traité l'homme au cours de l'année qui va écouler, jusqu'à quel point il va progresser et grandir, et quels seront les avantages qu'il va acquérir et quelles sont les pertes qu'il va subir. Les décisions concernant le progrès de l'homme sont prises au cours de cette Layla, c'est-à-dire au cours de cette période obscure. Le deuxième calife a fait l'analogie entre ce progrès et le progrès physique, et il a déclaré que le Saint-Coran nous informe que le progrès physique de l'homme passe par des périodes obscures, passe par des phases qui sont obscures. Nous voyons cela lors de la gestation de l'enfant. Le ventre de la mère concerne plusieurs strates obscures, et c'est au cours de ces phases obscures que l'on prend la décision quant au progrès de l'homme. S'il ne s'est pas bien développé au cours de cette période, eh bien, l'enfant qui va naître sera faible. Il a été prouvé que l'enfant est influencé par l'environnement dans lequel vit la mère. De même, les aliments que consomme la mère ont de l'influence sur l'enfant. Si l'environnement dans lequel vit la mère n'est pas sain, eh bien, l'état moral de l'enfant ne sera pas sain non plus. Les enfants de ces mères qui sont apeurées ne peuvent pas accomplir grand-chose en ce monde. Dans certains cas, en raison de cette peur intérieure, eh bien, ces enfants sont faibles psychologiquement. Une alimentation saine ainsi qu'un bon environnement au cours de la grossesse ont un effet positif sur la santé de l'enfant.
C'est pour cette raison que l'islam a interdit aux mères de jeûner pendant leur grossesse. La femme est interdite de jeûner au cours de sa grossesse, parce que cela peut affecter négativement le développement de l'enfant. C'est pour cette raison aussi que la charia a interdit de donner le divorce au cours de la grossesse de la mère, parce que cette tristesse peut affecter le développement de l'enfant. Et c'est pour cette raison aussi qu'il est interdit au sein de l'islam de se marier avec une femme en grossesse, parce que les émotions qui y sont accompagnées peuvent affecter négativement le développement de l'enfant. L'islam a enseigné des prières aux époux afin qu'ils puissent se protéger des pensées sataniques, afin qu'il n'y ait pas ces pensées négatives dans les enfants qui vont naître plus tard. Les deux époux doivent prier, parce que Satan coule dans leurs veines. Dans les hadiths, il est dit que Satan coule dans les veines de tout un chacun. Ainsi, les époux doivent prier pour que Dieu les protège de Satan, afin que l'enfant qui va naître soit à l'abri de Satan. Ainsi, la charia nous a recommandé nombre de mesures de précaution au cours de ces phases de développement de l'enfant. Quand cet enfant se trouve dans ces ténèbres, dans cette obscurité, et on va devoir prendre ces précautions tant que l'enfant va passer par ces phases qui sont obscures. On a aussi allongé la phase de l'allaitement de l'enfant. Le sevrage dure un certain temps, parce que durant ces jours, l'enfant ne se tourne pas vers ce monde, mais se tourne davantage vers sa mère. Et durant ces jours, la mère n'a pas le droit de jeûner, afin que cela n'affecte pas le développement et l'épanouissement de l'enfant. Ainsi, le progrès physique passe par ces phases obscures. Il en est de même du progrès spirituel. Cela se fait au cours de la nuit. Le progrès spirituel de tout peuple sera à la mesure des sacrifices initiaux consentis par ce peuple. Et sa laylatul qadr sera la durée de la période de son progrès. La durée du progrès d'un peuple, la norme que va atteindre son progrès, c'est son laylatul qadr. Son laylatul qadr sera la norme de son progrès. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré « Autant une personne est aimée par Dieu, autant cette personne passe par des épreuves. » Ainsi, nous devons aussi nous souvenir de ce point, que dans certains endroits, nous sommes en train de passer par des épreuves. C'est là une laylatul qadr. L'on va chercher avec plus d'ardeur cette véritable laylatul qadr, en raison de ces épreuves, l'on va se consacrer davantage aux prières. L'on va se prosterner davantage devant Dieu lorsqu'on passe par des périodes difficiles. Et c'est grâce à cela que l'on passe avec succès cette période d'entraînement et de développement. Mais si nous allons mettre à mal l'unité qui existe parmi nous, eh bien, nous n'allons pas profiter pleinement de la Laylatul Qadr. Si nous allons consentir à ces sacrifices, en considérant ces sacrifices comme le plaisir de Dieu, eh bien, nous allons toujours progresser. Nous allons toujours progresser et nous allons acquérir une nouvelle vie et nous aurons un tout nouveau éclat. Si nous maintenons l'unité parmi nous pour le plaisir de Dieu, eh bien, nous allons parcourir de nouvelles étapes dans le progrès, Inch'Allah. Ainsi, c'est un point très important que chacun d'entre nous doit avoir en tête.
فیصلے بھی غیر معمولی ہوں گے. فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں. Lorsque nous allons passer avec succès par cette Laylatul Qadr, eh bien, les décrets que l'on va prendre quant à notre progrès seront très importants. C'est Dieu qui va prendre cette décision. C'est Dieu qui va exaucer nos prières. C'est Dieu qui va nous montrer cette Laylatul Qadr. Mais il est aussi important de respecter ces conditions qui sont importantes pour mériter la Laylatul Qadr. Et ensuite, l'aube qui va naître sera extraordinaire. Et c'est ainsi que l'on va voir des progrès extraordinaires. Un progrès que l'on va voir au cours de cette journée qui va naître. Voilà les points que nous devons avoir en tête si nous voulons profiter de la Laylatul Qadr. La Laylatul Qadr signifie ce moment de sacrifice qui sera agréé par Dieu. Et il ne peut y avoir de meilleur commerce profitable que le fait d'avoir été accepté par Dieu. Ainsi, nous devons faire de notre mieux pour consentir à ces sacrifices qui seront acceptés par Dieu. Au cours des batailles de l'islam, à l'instar de la bataille de Badr, les musulmans ainsi que des koufars ont été tués. Mais le fait que les koufars soient tués n'était pas de la Laylatul Qadr. Leur sacrifice n'était pas Laylatul Qadr. Mais la Laylatul Qadr pour les musulmans était le fait qu'ils étaient tombés à martyrs. Parce que Dieu avait accepté leur sacrifice. Que l'on se souvienne aussi de ce principe. À savoir, si Dieu n'a pas fixé un prix pour un sacrifice, si Dieu n'a pas fixé de prix pour une souffrance quelconque, eh bien, cette souffrance n'est pas Laylatul Qadr. C'est un châtiment, c'est une punition. Mais quand Dieu fixe un prix pour une souffrance quelconque, eh bien, cette souffrance devient la Laylatul Qadr. C'est-à-dire ces ténèbres, ces souffrances, ces épreuves qui seront récompensées par Dieu, tout cela se transforme en Laylatul Qadr. Dieu a fixé de tels moments pour l'homme, des moments pendant lesquels il consent à des sacrifices qui seront toujours agréés par Dieu. Certainement, la Jamaat Ahmadiyya est en train d'en faire le constat. Dans certains pays, la situation des Ahmadis est des plus difficiles. Et ces situations difficiles sont en train de donner la bonne nouvelle que l'aube va bientôt naître. D'autre part, suite à cette Laylatul Qadr, dans chaque pays et dans chaque ville, il y a des enfants de l'Ahmadiyya qui sont en train de naître. Il y a de nouvelles jamaat qui sont établies dans ces pays et dans ces villes. Ainsi, afin de profiter davantage de cela, afin de mériter davantage les bénédictions de la Laylatul Qadr, il incombe à chacun d'entre nous de faire le serment que nous allons faire foisonner davantage cette unité qui existe parmi nous. Et si jamais il y a des lacunes quelque part, si jamais il y a des dissensions ici et là, eh bien, nous allons y remédier. Nous serons des exemples de Ruhama au Bainahum et nous allons profiter véritablement de la Laylatul Qadr. Ainsi, au cours de ce Ramadan, nous devons faire de notre mieux afin de mettre de côté toutes nos dissensions, afin qu'individuellement, nous puissions profiter de la Laylatul Qadr, et afin aussi que nous profitions des fruits de la Laylatul Qadr, de ses progrès et de ses succès que Dieu a décrété pour la Jamaat. Nous devons aussi nous souvenir de ce point que autant les faveurs de Dieu ne cessent de pleuvoir sur nous, l'ennemi, quant à lui, est en train d'entraver notre voie avec encore plus de vigueur. Il l'a fait et il est en train de le faire.
Il essaye de nous faire passer par des épreuves. Et l'on ne doit pas croire que cela ne concerne que quelques pays. Le feu de la jalousie s'est embrasé davantage pour arrêter le progrès. Et ce feu de la jalousie est en train de le faire partout. Mais la Laylatul Qadr nous donne aussi la bonne nouvelle que les prières que nous avons faites pour que nous soyons à l'abri de leur effet néfaste, les prières que nous avons faites pour le progrès de la Jamaat ont été exaucées. Ainsi, tant que nous allons faire de notre mieux pour que notre conduite soit en accord au plaisir de Dieu, nous allons profiter de la Laylatul Qadr. Le but du croyant, les efforts qu'il doit faire, son désir, est que la Jamaat doit progresser et la Jamaat doit atteindre l'apogée de son progrès, progrès qui a été promis par Dieu. Et en étant les suivants du Messie promis l'Islam, nous devons nous aussi suivre les voies de ce progrès et nous devons faire des efforts pour faire partie de ce progrès. Des progrès qui ont été indiqués par le Messie promis l'Islam. Et cette voie qu'il a indiquée concerne les deux buts de son avènement. Le premier but de son avènement, c'est de faire en sorte que l'homme puisse connaître Dieu. Et deuxièmement, l'homme doit s'acquitter de ses devoirs envers ses congénères. Ainsi, voilà les deux tâches qui nous ont été confiées. Ainsi, nous allons devoir rehausser la norme de notre ibada et nous allons devoir mettre fin à nos dissensions. Et nous devons aussi nous acquitter de nos devoirs les uns envers les autres. Il est impossible que l'on s'acquitte de ses devoirs envers autrui et qu'il y ait toujours ces dissensions et ces disputes. Ainsi, si nous allons suivre ce principe, nous allons comprendre la réalité de la Laylatul Qadr et nous allons mériter la Laylatul Qadr. Le Messie promis l'Islam a défini la Laylatul Qadr en ces termes. Il a déclaré que la Laylatul Qadr est ce moment de la purification de l'homme. Ainsi, nous devons chercher ces moments pour que nous puissions nous purifier. Et ce sera la véritable Laylatul Qadr lorsque nous allons pouvoir purifier notre âme. Le deuxième point que je voulais évoquer, comme je l'ai dit, c'est le concept de la Jumma Tulwida, de ce Jumma d'adieu. Il y a des concepts farfelus que l'on a tissés autour de ce Jumma Tulwida. Par la grâce de Dieu, nous avons pu accepter l'imam de l'époque. L'imam de l'époque qui nous a débarrassés de ces concepts des plus erronés. Et un Ahmadi doit se débarrasser de ses pensées erronées, de ses concepts erronés, sinon il ne lui sera d'aucun avantage d'être Ahmadi. Il y a nombre de non-Ahmadis qui pensent qu'en participant dans le dernier vendredi du Ramadan, ils seront absous des prières obligatoires qu'ils ont abandonnées consciemment. En participant dans cette prière du vendredi, c'est comme s'ils avaient accompli toute leur prière obligatoire. Ils pensent qu'en écoutant ce sermon, en accomplissant deux rakats de prière, ils seront pardonnés de tous leurs méfaits du passé. Ils seront absous de tous leurs péchés du passé. Et ils pensent qu'en participant dans cette dernière Jumma du vendredi, ils pourront retourner à Dieu toutes les faveurs que Dieu leur a accordées au cours de leur vie, au cours de cette période. Ces personnes pensent qu'Allah nous en préserve, que la divinité de Dieu dépend de ces quatre prosternations qu'ils vont faire au cours de ce jour. Ils pensent qu'ils ont accordé une grande faveur à Dieu en accomplissant ces quatre rakats et qu'ils ont pu établir Naudoubillah min zalik sa divinité avec ces quatre prosternations. Ceux qui viennent pour cette prière du vendredi avec ces intentions ne profitent pas de cette Jumatul Wida ou de ce Ramadan. Et la Laylatul Qadr n'a aucun avantage pour eux. La Laylatul Qadr a des avantages pour les autres. Que l'on se souvienne aussi que les commandements de Dieu sont autant de faveurs pour nous.
C'est nous qui allons tirer des avantages de ces préceptes, de ces commandements. Ce n'est pas une amende qui nous a été imposée, une amende pour laquelle on essaye de chercher des excuses. On essaye de chercher des excuses, des prétextes pour éviter des amendes ou des châtiments. Aucune personne intelligente ne va pas chercher des prétextes pour ne pas accomplir des actions qui lui seront avantageuses. Qui est celui qui pense en ces termes, à savoir qu'il ne désire pas avoir d'enfant, qu'il ne guérisse pas de sa maladie? Qui désire se priver, lui et ses enfants, de la connaissance? Qui désire que ses proches, que ses amis ne vivent pas dans le confort? Qui désire que ses enfants ne soient pas honorés? Personne ne pense en ces termes. On cherche des prétextes pour des actions contraires. On cherche des prétextes pour éviter des difficultés. Ainsi, si nous commençons à chercher des prétextes pour éviter de mettre en pratique les commandements de Dieu, cela voudrait dire tout simplement que nous sommes en train de considérer ces commandements comme des malheurs, comme des difficultés, comme autant de souffrances. Alors que tout commandement qui vient de la part de Dieu, tout énoncé de Dieu, toute guidance qu'il nous donne est pour notre propre bien-être, pour qu'il nous accorde le bonheur. Ainsi, nous devons traduire dans la pratique ces préceptes. Que ces commandements concernent les ibadats ou que cela concerne d'autres actions, tous ces commandements sont pour notre propre bien-être. Ainsi, nous ne devons pas considérer les commandements de Dieu comme des amendes. Sinon, nous allons nous priver des bénédictions de Dieu. Nous devons tout le temps nous souvenir de ce point essentiel, que Dieu est celui qui nous a envoyés sur cette terre, c'est lui qui nous a accordé la vie. Il nous a accordé la vie et il nous a donné un objectif pour notre vie. Cet objectif, c'est « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » À savoir que j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils m'adorent. Étant donné que le but de notre création, c'est d'adorer Dieu, tout comme il est dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Eh bien, sachez que cela n'est pas limité à un jour particulier, à un vendredi particulier. Au contraire, chaque prière, chaque Jumma est une obligation. En sus des prières surrogatoires, l'homme, selon sa situation, doit accomplir ses prières afin de se rapprocher davantage de Dieu. Ainsi, il incombe à un véritable croyant que de faire de son mieux pour mettre en pratique les commandements de Dieu. Et l'ibada, l'adoration de Dieu, est un but fondamental de la vie de l'homme. Il doit consacrer toute son attention à cette tâche. Et cette ibada nous sera avantageux à nous. C'est nous qui allons profiter de l'ibada. La divinité de Dieu a été établie sans nos adorations et elle le sera toujours. Mais si nous allons rendre culte à Dieu, eh bien, nous allons mériter ses faveurs, nous allons aussi mériter ses récompenses. Nous allons profiter de tout cela. L'on doit aussi comprendre que nous serons sincères de notre foi lorsque nous allons mettre en pratique les préceptes de Dieu. La relation entre un croyant sincère et Dieu ressemble à la relation avec un ami. À ce propos, souvenez-vous de ce point, que l'amitié est une relation à deux sens. On accepte ce que dit son ami avec sincérité et fidélité. Un ami ne doit pas se contenter d'imposer son point de vue sur l'autre.
et l'autre ami ne doit pas qu'accepter le point de vue de l'autre. Cela nous fait comprendre comment les prières sont exaucées. Quand nous allons suivre les commandements de Dieu, et quand nous allons mettre en pratique les commandements de Dieu en toute sincérité, Dieu va exaucer nos prières. Et lorsque l'amitié est sincère, eh bien, l'on ne va jamais désirer le mal pour son ami. Si telle est l'amitié des gens d'ici-bas, étant donné qu'on ne désire pas, qu'on ne souhaite pas le mal pour son ami, eh bien, Dieu qui est le plus fidèle d'entre les fidèles, comment pourra-t-il désirer que son ami soit en difficulté? Ainsi, suite à cette foi sincère, l'on mérite cette miséricorde et ces bénédictions de la part de Dieu. En ce qui concerne l'amitié d'ici-bas, si l'on se dit que tel ami est fidèle envers moi, si on a cette certitude que son ami est fidèle envers soi et que cet ami est en train de faire quelque chose qui apparemment nous soit nuisible, étant donné que mon ami est sincère envers moi, il a quelque raison pour laquelle il est en train de faire cela, et les résultats de ses actions ne me seront pas nuisibles. Mon ami ne désire pas nuire à ma personne. Il ne cherche que mes avantages. Ainsi, comment peut-on dire à propos de Dieu qu'il désire nous mettre en difficulté? Mais si on ne suit pas les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, c'est parce que l'on les considère comme des difficultés, comme des châtiments. S'il en est ainsi, eh bien, soit que notre amitié n'est pas sincère, ou soit, na'udhubillah min dhalik, Allah ne possède pas ces attributs de miséricorde et de commisération, et que notre Dieu est un Dieu cruel, et notre Dieu est un Dieu sévère, et il veut nous mettre en difficulté sans aucune raison. Mais ce deuxième point est tout à fait faux. C'est un mensonge. Dieu, en tout cas, il est miséricordieux, il est gracieux. Certes, il se peut qu'il y ait quelques lacunes dans notre sincérité, dans notre amitié. C'est en nous que se trouvent ses manquements et ses faiblesses. Et nous ne sommes pas faits dignes pour mériter sa miséricorde. Ainsi, nous devons faire davantage afin de mériter sa miséricorde et sa compassion. Nous allons devoir renforcer notre foi et nous allons devoir traduire dans la pratique les commandements de Dieu. Et il est important de considérer les commandements de Dieu comme autant de miséricorde et autant de faveur. Si nous allons considérer les commandements de Dieu comme une forme de miséricorde, comme autant de faveurs à notre égard, eh bien, nous n'allons pas les souhaiter à Dieu. Au contraire, nous allons les mettre en pratique afin de renforcer notre foi. Et nous allons respecter ces commandements, nous allons les ancrer dans nos cœurs. On considère certains ordres de l'État comme une amende. Dans les pays du tiers-monde, ces dirigeants émettent des ordres qui dépassent la loi et qui sont source de souffrance pour les populations. Le fait que les dirigeants les visitent est en soi une torture, et les gens sont en difficulté lors des tournées de ces dirigeants. Et de la plupart des cas, les gens prient pour que leurs officiers ne les visitent pas, pour que leurs dirigeants ne les visitent pas, afin qu'ils en soient à l'abri. Mais les commandements de Dieu ne sont pas à l'instar des commandements des despotes. Au contraire, ces commandements sont source de grâce et de miséricorde. Et si on ne suit pas ces préceptes, ce sera un signe de la destruction. Tout commandement de Dieu
est accompagné de bénédictions et de grâces. Et ses commandements laissent derrière eux d'innombrables bénédictions. Prenons par exemple les 5 prières quotidiennes. Les prières quotidiennes n'ont pas été imposées pour que l'on s'en débarrasse comme une amende. La prière n'est pas un fardeau dont on doit s'en débarrasser. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit accomplir rapidement. Il en est de même du jeûne du Ramadan. Le Ramadan n'a pas été imposé pour que nous puissions traverser par cette période par obligation, puisque les autres sont en train de jeûner. Il en est de même à propos des autres ibadas. Il y a aussi les autres ibadas. Les autres ibadas n'ont pas été imposés pour qu'on les accomplisse, puisque les autres sont en train de le faire et que nous devons aussi le faire et nous en débarrasser. Le croyant, quant à lui, fait de son mieux pour respecter toutes ses exigences. Si un croyant a accompli une seule fois la prière en toute sincérité, eh bien, son cœur ne peut se débarrasser de la prière. Il en tire un très grand plaisir, et un plaisir qui l'attire vers la prière. Lorsqu'il termine sa prière, il fait ses salams, ses salutations, mais il ne souhaite pas ici adieu à la prière. Il fait ses salams parce que c'est là un commandement de Dieu. Et le croyant ne peut pas non plus se séparer du Ramadan. Hadrat Musleh Maud a présenté un point très intéressant ici. Il a déclaré que dans la langue ourdou, il y a cette expression que nous avons gardé le jeûne, ou Roza Rakhna, comme il est dit en langue ourdou. Cela veut dire que l'on a gardé avec soi le jeûne, que l'on ne s'est pas séparé du jeûne, mais que l'on a gardé avec soi. Et ces jeûnes vont nous faire mériter pour toujours les bénédictions de Dieu. Dans les hadiths, il est dit que si un croyant commet une faute, eh bien, ses bonnes œuvres deviennent un bouclier pour lui et le protègent de la destruction. Ainsi, l'on doit comprendre à propos de chaque bonne œuvre que ces bonnes œuvres ne nous quittent pas, mais ces bonnes œuvres sont toujours permanentes, parce que c'est quelque chose qui est permanent, qui nous accorde des avantages. Dans le Saint-Coran, on trouve mention de ces bariyat salihah, de ces bonnes œuvres qui perdurent. Et il est dit que les bonnes œuvres sont des actions qui perdurent. Ainsi, ce Ramadan qui nous a permis d'accomplir de bonnes œuvres, ce sont ces bonnes œuvres qui seront permanentes, qui vont durer. Certes, ces jours vont connaître une fin, mais tant que nous allons accomplir ces bonnes œuvres qui seront le résultat du Ramadan, tant que ces bonnes œuvres seront là, eh bien, ces bonnes œuvres ne vont pas laisser partir ce Ramadan. Le croyant doit toujours maintenir les bonnes choses. Il faut que ces bonnes œuvres soient les bariyat salihat. Ces bonnes œuvres doivent être permanentes. Les journées peuvent passer, mais le Ramadan ne doit pas le quitter. Le Ramadan est en soi une ibada, et les ibadas ne se terminent jamais. Les ibadas perdurent toujours dans le cœur d'un véritable croyant. Ainsi, à l'instar d'un véritable croyant, nous devons implanter dans notre cœur le Ramadan. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que lorsque quelqu'un accomplit une bonne œuvre, il y a en son cœur une trace blanche qui se forme. Lorsqu'il accomplit une deuxième bonne œuvre, il y a une autre trace blanche dans son cœur. Et peu à peu, en accomplissant des bonnes œuvres, son cœur tout entier devient éclairé et blanc. Et ceux qui accomplissent de mauvaises actions, eh bien, il y a une trace noire qui se forme dans leur cœur. Et s'ils ne cessent d'accomplir ces mauvaises actions, eh bien, le cœur tout entier se noircit. Ainsi, les bonnes actions et les mauvaises actions, tous deux ont de l'effet sur le cœur de l'homme. Ils laissent des traces dans le cœur de l'homme. Nous devons, quant à nous, essayer d'accomplir de bonnes œuvres, et nous devons réunir ces bonnes œuvres dans nos cœurs. Et nous devons faire en sorte que ces bonnes œuvres que nous avons accomplies au cours de ce Ramadan
fasse partie intégrante de notre vie et que nous puissions maintenir dans nos cœurs ces vertus que Dieu désire faire naître par l'entremise du Ramadan. Nous devons emplir nos cœurs de ces vertus. Le Ramadan ne doit pas se limiter à 29 ou 30 nuits ou jours. Il y a ces journées et ces nuits au cours des autres mois de l'année. Mais ce mois, quant à lui, a apporté pour nous des ibadas et ce mois a apporté ses autres bonnes actions, ces bonnes actions que nous devons accomplir. Nous devons maintenir dans nos cœurs ces bonnes actions. Et lorsqu'on a protégé quelque chose en son cœur, personne ne peut l'en extirper, à condition que l'homme lui-même ne s'en débarrasse. Ainsi, il incombe aux croyants que de respecter les faveurs que Dieu lui a accordées. Qu'ils se souviennent aussi que ce vendredi n'est pas venu, afin que nous puissions souhaiter adieu au Ramadan, afin que nous puissions nous séparer du Ramadan. Ce vendredi est venu afin que, si nous désirons, nous puissions profiter de ce Ramadan et afin que nous puissions le maintenir pour toujours dans nos cœurs. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la Jumma est un Eid pour les musulmans. Et selon les hadiths, au cours de cette journée, il y a un moment où les prières du croyant sont exaucées. Nous devons profiter de ces moments. Nous ne sommes pas venus à la mosquée aujourd'hui pour cette raison. Ce n'est pas ainsi que pensent les Ahmadis. Nous ne sommes pas venus à la mosquée pour dire à Dieu que tu nous as imposé ce malheur qu'est le Ramadan et aujourd'hui nous sommes contents de nous en débarrasser, de lui souhaiter à Dieu. Nous sommes venus à la mosquée afin que nous puissions prier pendant ces heures bénies parce qu'il ne reste que quelques jours avant la fin du Ramadan. Mais ô notre Seigneur, fasse que nous puissions protéger la réalité du Ramadan et les ibadas que nous avons accomplis et les bonnes œuvres que nous avons accomplies. Protège tout cela dans le cœur et fasse que ces bonnes œuvres et ces bonnes pensées ne se séparent pas de nous. Si nous allons définir le vendredi d'aujourd'hui, eh bien, ce sera un vendredi plein de bénédictions. Mais après ce Jumma et après quelques jours, le Ramadan va nous quitter. Et si nous oublions les bonnes œuvres que nous avons accomplies dans le passé, ce sera là notre plus grand malheur. Dans le monde, le père est triste de se séparer de son fils. Le fils est triste de se séparer de ses parents, de sa mère. Et les frères sont tristes de se séparer de leurs frères. Et même les véritables amis sont tristes de se séparer les uns des autres. Nous sommes toujours contents de nous séparer de nos ennemis. Il en est de même à propos du Ramadan. Le véritable croyant n'est pas content, ne peut être content de se séparer du Ramadan. L'on ne peut être content de se séparer des bénédictions. Qui est celui qui est content de se séparer des bénédictions? Celui qui est content de se séparer des bénédictions est une personne malchanceuse. Que peut-on dire davantage? Ainsi, chacun d'entre nous doit prier en ce sens aujourd'hui, à savoir que nous devons faire en sorte que ces jours soient toujours avec nous et qu'à aucun moment nous nous séparions du Ramadan. Nous devons toujours méditer sur cette question, à savoir c'est quoi le sens du Ramadan. Et Dieu nous a informés à propos de la réalité du Ramadan. Il nous informe, comme je l'ai dit au cours de mon premier sermon du Ramadan, « Charlou Ramadan al-Lazi unzila fihi al-Qur'an ». Ces jours bénis pendant lesquels le Coran a été révélé ont été qualifiés de Ramadan. Et lorsque la révélation du Coran cesse, eh bien ces jours ne sont pas des jours de bénédiction, mais ce sont des jours de grande tristesse. Durant ces jours, le croyant a lu le Saint-Coran.
Il a pris quelque chose du Saint-Coran. Il était vigilant à ce propos. Il faut qu'il fasse en sorte qu'il récite le Saint-Coran tout au long de l'année. Il faut que tout au long de l'année, il essaie de traduire dans la pratique les préceptes du Saint-Coran. Il pourra atteindre l'objectif de la révélation du Saint-Coran lorsqu'il va faire en sorte que ce Coran fasse partie intégrante de sa vie. Lorsque nous allons faire descendre le Saint-Coran dans notre cœur, lorsque nous allons le protéger dans notre cœur, afin que nous puissions en profiter à chaque tournant de la vie. Qu'à la fois que nous soyons toujours vigilants concernant ces deux points que je viens d'évoquer, que nous puissions comprendre cette réalité, et que notre Laylatul Qadr nous mène vers l'apogée de nos succès, et que nous puissions comprendre cela, et que cette Jumma ne soit pas la Jumatul Wida, le Jumma d'adieu du Ramadan. On ne doit pas le qualifier du Jumma d'adieu, mais c'est le dernier Jumma du Ramadan, que ce dernier Jumma ne nous sépare pas des bénédictions du Ramadan, mais que ces bénédictions fassent partie intégrante de notre vie. Et que nous puissions pour toujours atteindre l'objectif de la révélation du Saint-Coran. J'ai décrit auparavant la situation des musulmans palestiniens. Priez en particulier pour ces personnes, qu'Allah leur facilite la vie et qu'Allah les fasse sortir de cette difficulté. Après la prière de Jumma, je vais diriger la prière funéraire de Mukarram Naimullah Khan Saheb du Kyrgyzstan. Il est décédé le 21 juillet 2014 à l'âge de 61 ans des suites d'une crise cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a beaucoup fait pour l'établissement de la Jamaat au Kyrgyzstan et dans les autres états de la région. Il a servi en tant que Naïb Sadar de la Jamaat du Kyrgyzstan. Le quatrième calife avait poussé les gens à partir dans ces pays et il était parti là-bas pour son business, mais il a beaucoup servi la foi. Il était toujours prêt à servir la religion. Il préférait les tâches de la Jamaat à ses propres affaires. En dépit des situations très difficiles, il a servi la Jamaat en toute sincérité. Il était toujours régulier dans ses prières de Tahajjud. Il faisait beaucoup l'aumône. Il participait dans tous les fonds de la Jamaat. C'était une personne très sincère. Il avait un très grand amour pour le califat. Il a toujours aidé les missionnaires qui ont travaillé dans la région, qui ont fait face à des difficultés. Et il s'est toujours très bien occupé des invités qui venaient du centre. Tous les missionnaires qui ont travaillé dans cette région, tous ceux qui sont en train de travailler là-bas, tous sont en train de dire qu'il avait un très grand sens de l'honneur pour la Jamaat. Il était un très grand courage pour la Jamaat. Il a aussi joué un très grand rôle pour l'achat de la Mission House de la Jamaat du Kyrgyzstan. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il avait deux épouses, une épouse pakistanaise et une russe. Il a laissé deux filles et quatre fils. Il a eu deux fils de son épouse russe. Elle est du Kyrgyzstan. Et elle a fait les éloges du défunt. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Et qu'Allah soit l'aide et le soutien de ses épouses et de ses enfants. Et qu'il soit toujours attaché à la Jamaat et au califat. Et qu'il fasse perdurer les bonnes œuvres du défunt. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر